Un projet autour du livre visant à regrouper une brochure informative tout ce qui se fait en la matière, depuis la reliure jusqu'au livre compté, en passant par le livret d'opéra ou encore le livre de cuisine, est en route. Ainsi, le CCRV regroupe déjà une grosse cinquantaine d'acteurs autour du livre. Et pour l'heure, nous fêtons la sortie d'un ouvrage mémoire de la fête de la langue française qui s'est déroulée chez nous en mars dernier. Et c'est M. Arnold Couchard, lui-même, qui a organisé depuis quelques années le rendez-vous des écrivains, que j'ai pu participer. Et c'est un excellent souvenir. Et c'est vous, M. Couchard, qui avez collecté des textes, des images, et qui avez mis tout finalement en scène dans un superbe livre avec l'aide de Mme Laurence Cornet, qui est là aussi, qui est là. Merci à Mme Cornet. Je crois qu'à vous deux, d'abord, Mme Cornet, nous devons non seulement une part des textes, mais aussi un second texte sur la cohérence du livre et aussi notre belle couverture. Donc, merci beaucoup à vous deux. Je crois que vous êtes des artisans de cette belle réalisation qui maintenant, je crois, va pouvoir prendre place d'honneur dans nos bibliothèques. Donc, un très, très grand merci. Ce livre a été présenté, mais c'est ici qu'on le présente en première fois officiellement, Michel, etc. Et il a déjà été un peu montré. Lire malade au fil des mots est une expérience particulièrement aboutie en la matière. Arnold Couchard et Laurence Cornet ont réellement été à la manœuvre, tandis qu'un soutien logistique, tant qu'on ainsi, leur était fourni par notre centre culturel régional de Rivoire. Il sera évidemment très utile d'analyser ce capilote et de resituer les conclusions dans le contexte global de la marchandisation des biens culturels, ainsi que des limites à l'action citoyenne et de ses rapports avec celles des services publics. Mais pour l'heure, il est temps de passer à la partie la plus festive de cette manifestation. Je voudrais vraiment remercier encore au nom de la ville et au nom du centre culturel, à la fois Laurence Cornet et Arnold Couchard, pour tous les efforts qu'ils ont mis et pour leur travail, ainsi que tous ceux qui les ont aidés. Je voudrais remercier également l'Institut du patrimoine wallon, le Baobab, Francine Lieutenant, que je l'ai vu dans le public, qui est là, qui fait des photos, et Marie Van Eck. Et bien sûr, je voudrais spécialement remercier Michel Corin, qui est, comme d'habitude, à la manœuvre pour cette opération. Et je voudrais remercier et saluer la présence de Pierre Sandel, le directeur du Centre culturel, Luc et Madame, celles qui ont collaboré finalement à cette journée. Merci aussi aux artistes qui vont se produire. La musique.